Pourquoi mon ex est heureux ou heureuse après la rupture amoureuse ? Alors cette question, elle revient souvent quand je vous ai en coaching. James, mon ex, est heureux ou heureuse sans moi ? Ça veut dire que je ne pourrai pas récupérer mon ex. Mais je vais vous expliquer dans cette vidéo justement pourquoi votre ex semble si heureux ou heureuse depuis la séparation. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de James D, votre expert en reconquête amoureuse et développement personnel. Et dans cette vidéo, on va voir pourquoi mon ex est heureux ou heureuse après la rupture amoureuse. Après une rupture, vous avez l'impression, à tort ou à raison, que votre ex est heureux ou heureuse sans vous. Et il faut bien dire qu'ici, c'est votre ego qui en prend un coup. Car finalement, votre ex vit mieux que vous la séparation. Mais voyons pourquoi. La première raison, c'est qu'il y a un effet contraste entre vous qui êtes si malheureux et triste et votre ex, qui par effet contraste, vous avez l'impression que votre ex est heureux sans vous. Mais pour votre ex, même si il ou elle est à l'initiative de la rupture amoureuse, c'est un échec également. Personne ne se met en couple dans l'espoir de rompre dans quelques semaines, dans quelques mois ou quelques années plus tard. Donc, comme vous êtes très triste, vous avez l'impression que votre ex est heureux sans vous. Mais c'est tout simplement une question de niveau de tristesse. Ce qui m'amène à la deuxième raison. Votre ex est à l'initiative de la rupture amoureuse. Et donc, si pour vous la rupture est brutale, si pour vous c'est un électrochoc, votre ex a déjà réfléchi à cette séparation et donc a décidé de vous quitter car il ou elle n'était pas épanoui dans cette relation amoureuse. Ainsi, votre ex, dans sa réflexion, s'est dit que il ou elle serait plus heureux sans vous. La troisième raison, c'est que vous interprétez. Que peut faire d'autre votre ex, hormis montrer que il ou elle est heureux depuis la séparation ? Votre ex a pris un choix difficile en décidant de la rupture. Ainsi, votre ex devra montrer à tout le monde que sa décision était la bonne chose. Ainsi, votre ex va poster sur Facebook ou sur les réseaux sociaux que votre ex est en train de se reconstruire et que donc il ou elle est heureux malgré la séparation. Bien souvent, on surjoue le bonheur, parfois même pour s'auto-convaincre que l'on a pris la bonne décision. Et enfin, la quatrième raison, c'est l'effet contraste, mais cette fois pour votre ex. Et c'est surtout vrai pour les relations longues. Mais lorsqu'on a été longtemps dans une relation, la séparation va être vécue comme une libération, un soulagement, la fin d'une histoire dans laquelle votre ex a été malheureux ou malheureuse. Sachez, messieurs, dames, que trop de bonheur, mais je te quitte, cela n'existe pas. Il faut donc comprendre que votre ex n'était pas heureux ou heureuse dans cette relation. Et il vous faut identifier le pourquoi. Car si ce que vous proposez est un retour en arrière, vous n'arriverez pas à récupérer votre ex. Notez bien que la séparation signale une absence de bonheur chez votre ex. Alors on vient de voir les 4 raisons qui font que votre ex peut être heureux après la rupture amoureuse. Ce qui compte, c'est ce que vous allez proposer dans le futur à travers un véritable changement. Alors si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, je vous ai mis le lien dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne avec James D.